Bonne nouvelle pour tout Haïtien qui vit en République dominicaine. Ou quand on est vivant en République dominicaine dans ce moment-là, ou illégal, ou pas de papier, ou caché pour immigration, eh bien, nous toujours disons, émission mon éditorial, nous pas l'autre mission que à chercher information pour vous, que à chercher des solutions viables pour vous pour résoudre le problème. Eh bien, en exclusivité, nous avons fait une interview là avec un responsable d'une fondation qui est en République dominicaine, qui est basée en République dominicaine, qui vraiment font un travail exceptionnel là avec les migrants illégaux, avec des séries de compatriotes qui sont en République dominicaine, qui paguent des papiers, qui t'arrivent un travail, etc. Yo là, yo accompagné. Donc, restez là pour rejoindre tout détail, pour rejoindre toute information. Et au même cas, regardez des vidéos, on a mon femme, mon proche ou qui est en République dominicaine. C'est le moment pour rester tant de bonnes informations pour lui. Ou besoin de numéro de contact, ou besoin d'adresse, ou besoin de tout détail pour nous faire suivre. Donc, restez là, pas bouger. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Sur Chanel Poland, TAC 509, tout haïtien ici connecté, ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, et surtout, là, j'ai une bonne information, ça, on a quand même, on a un joueur qui a débordé dans le cœur, parce que, moi, j'aime tout ça qui est positif, tout ça qui a aidé aux compatriotes, aux amis, aux familles, pour nous partager la vidéo. Donc, dans ce souci, ça, pas hésiter, partager vidéo, et si vous faites tomber sur Chanel, là, pourquoi abonner, fais ça. Parce que là, on a besoin de toute information à chercher et plus toujours. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick la même voix, on n'y est pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Si nous sommes contents là, c'est pas seulement une bonne nouvelle ça m'pote pour compatriotes haïtiens qui vivent en République dominicaine, mais bagaille là, li pi grandiose toujours. Li pi grandiose par rapport avec travail que mon éditorial a fait, par rapport avec travail que m'a fait et pour travail l'arrivé aller loin comme ça, pour travail là aussi positif comme ça, c'est parce que ou même non seulement choisi garder vidéo, choisi partager vidéo en tout, mais chaque suggestion fait, chaque remarque ou fait, chaque commentaire ou fait, nous choisi prendre en considération, nous choisi comme guide pour aider à avancer. Et hier, bon depuis hier, on était supposé et partager ces informations ça avec nous, mais on était préféré à le prendre conseil grand monde avant, grand monde est plus loin et après jodi an la m vini pour me faire échange ça avec nous et nous pral comprendre que gen nan situation nou yé là nan phase insécurité nou yé an dedans pays an et responsabilité nous c'est nous même qui pour prendre comme haïtien hier ça t'est sous cam pour me te dire non mais j'ai préféré me taire un moment jodi an la faut me partager effectivement ça lié avec nous. Après émission, fin fait lundi, hein, moi je vois, nous t'ai fait une émission parce que nous t'avons commémoré et 8 mois Jovenel Moïse côté que on fin assassiné président, rien pas réglé, rien pas dit, nous gain attente par rapport avec gouvernement américain, nous wè dimanche pas vraiment et coca abouti. Et m'ta recevoir un appel qui était vraiment intrigué. Appel là intrigué par rapport avec et personnalité. Hein. Appel là, li pa vin fèm quoi plus dans travail là, non? Appel là, pas vin fèm non plus et quoi plus dans tête. Moi, non, parce que ma fait travail là, c'est parce que m'kwè nan capacité, m'kwè nan dévouement, m'kwè nan engagement patriotique, moi, pour pays là, qui fait travail ça, il a continué, qui fait travail là, li pralé côté le pralé. Ah bien, c'est un étranger. Un diplomate étranger qui est au niveau du département d'État américain, mais avant tout son haïtien ou américain. Il parle créole là, tant courant, il parle anglais tout, mais créole, il parle créole mieux, donc nous fait ça en café. C'est qui ça problème dans aujourd'hui là? Nous faisons échange, mais nous mettons un pile accent sous insécurité dans vivre en Haïti aujourd'hui là. Parce que en pile fois, nous toujours attendre ces pays amis, ces pays voisins, ces pays, on parle de voisins, pas République dominicaine, non. Des soi-disant pays alliés qui pouvaient nous retirer nos côtés, nous y est là.
Nous pas jamais vraiment mettre en face sur nous-mêmes comme haïtiens qui doit contribuer, qui doit travailler ensemble, qui doit participer dans prendre bon genre solution, bon genre sortie de crise pour retirer Haïti dans problème que lié. Et finalement, pour le comprendre, monsieur Abraham, je me comprends que jodi en là, il y a nécessité, c'est Haïti, c'est haïtien qui pour résoudre problème haïtien. Moi, je me prends la peine pour me poser une question qui est extrêmement québécoise. Parce que jodi en là, n'a regardé en crise, n'a regardé en guerre qui gagnait, qui mettait en face la Russie en grande puissance avec Ukraine. Ukraine jodi en là, tout pays autant yo supporte Ukraine. Yo bal moyen militaire, yo bal moyen matériel, yo bal moyen économique pour le bataille pour le camper en face la Russie. Alors que jodi an, nous gon crise insécurité en dedans pays an, nous gen gang k'ap terrasse population, nous gen gang k'ap fait kidnapping de masse en dedans pays an. Devant j'ai tout pays ami Haïti yo. Devant j'ai tout pays allié Haïti yo, entre guillemets. Rien n'est jamais fait. Et là, on pose une question par rapport avec vague insécurité, ça. Par rapport avec jodian là, silence qui gagne par vos côté autorité américaine yo. Sous montée kidnapping, non, sous montée insécurité, hein. Réponse si pral bon, moi, pral choquer. Non seulement pral choquer, Libral fait me comprendre que tout chita là comme haïtien nous croiser bras nous rete là nous tan n'a gardé n'a compter sur États-Unis pour venir résoudre problème n'a compter sur des millions de dollars que vous promettez nous pour acheter matériel etc. Ka toujours des promesses l'argent qui respecter qui honorer mais au final attend nous États-Unis pour mettre pied là tête pour venir résoudre crise haïtien insécurité en haïtien ça c'est dans rêve nous. Nous n'en rêvons parce que qui s'allie? En 2004, je dis en là, comme si, c'est pas, nous qu'à considérer comme un rancœur, on sort de rancune, communauté internationale a gagné envers Haïti. En 2004, qui s'est gagné? En 2004, Aristide prend coup d'état, Aristide allait. Pour contenir violence, pour contenir mouvement de protestation, rat pataka te geta créé gang qui te geta créé en dedans pays, yo te banou mission. Yo te banou mission des Nations Unies pour la stabilité, etc. Yo te banou ministre. De 2004 à 2017, nous demandons pour ministre aller en 2017. Effectivement, ministre dernier tiré ce contingent, yo maré paquet yo allé. 5 ans après, mais principal reproche yo gen envers Haïti oui et jodi a moi m'a mandé de série de nèg ki nan diplomatie haïtienne nan aux États-Unis k'ap évoluer nou gen Ariel Henry la k'ap paye nèg fè lobby pour li k'ap paye des firmes de lobbying aux États-Unis pour ki ça pour ka kembe sou pouvoir lorsque vrai sujet de débat yo pa jam mete sou table. Jodi a principal rancœur ki gagné c'est le fait que 2017 nous mandé pour ministre aller ministre Maré paquet li tire contingent allez et 5 ans après nous pas en mesure pour nous résoudre crise d'insécurité nous gen la kay nou et qui ça lié insécurité ça nous gen la kidnapping ça nous gen la violence collective ça nous gen la yo faut comprendre très clairement c'est problème haïtien lié ça c'est des problèmes internes. C'est pas des problèmes au niveau international qui ka gon impact, qui ka gon enjeu. Et là, les villes, pour faire comprendre que si nous gagnons la République Dominicaine, pays voisin, nous, si son attaque République Dominicaine te fait sur Haïti, ou invasion, tant que par exemple la République Dominicaine n'y gagne mieux la faire, si ça arrive, il t'a empiété, il t'a monté sur territoire haïtien, non limite côté que Haïti revendique, Haïti pote plainte, ça mène invasion là, mais et Dominicaine en Haïti, le ça, ça, il y a un problème de portée d'envergure internationale. Le ça au niveau des Nations Unies qui ça arrivé si nous passons dans arbitrage pas qu'à gagner situation problème n'a pas qu'à résoudre entre Haïti et République Dominicaine maintenant au niveau même des Nations Unies il y a qu'à envisager voyons mission si toutefois nous arrivons dans situation comme ça mais question insécurité question kidnapping question assassinat violence etc ça c'est des problèmes internes noir sur blanc. Il faut me connaître des problèmes internes et déjà, est-ce que nous pas de des problèmes internes par rapport avec les portes politiques? Nous pas de des problèmes internes?
Comment je dis là, nous pral admettre un groupe nèg a dit nous ça nous connaît déjà alors que matin midi soir répétition li pas l'autre bagaille haïtien on nous prend cause haïtien pour nous changer ça des problèmes internes que nous créons à travers et ambition politique des problèmes internes que nous créons à travers des choix politiques nous fait des monde qui gagne et pas des vous mon exa gagne non des rapaces en politique et puis jodi an nou atann nou que problème insécurité c'est bloc pral rezoudi c'est dehors pral rezoudi pour nous c'est bien dommage moi franchement me sentim vraiment me sentim extrêmement fatigué pour un petit recul parce que gen des série de grand monde gen des série de monde qui là depuis avant Jean-Claude Duvalier gen chance gen grand parents qui là me poser quelques questions pour vraiment connaître comment Haïti était avant parce que Haïti pas comme ça. Longtemps t'es gen pays et si longtemps t'es gen pays moun te ka marcher librement marcher al kote ou vle faire so vle c'est parce que t'es gen autorité t'es gen dirigeant qui te prend responsabilité yo et je dis youn des reproches qui gagne youn nan reproche qui gagne c'est parce que Jean PNH a fonctionné au niveau même de la PNH pourtant des étrangers k ap dou yo ka compter sous grain douet yo combien moun qui fiable en dedans ou état major la police. Est-ce que le possible n'est pas possible? C'est pas étranger, je dis, pour apprendre nous que la caille nous, police la caille nous sont pourriturés. Non. Et nous-mêmes, je dis, là, nous avons information, ça y là, nous avons feedback, ça y qui ça nous doit faire, qui ça nous prend le faire? Est-ce que nous avons continué à chita à croiser bras nous à regarder? Là, nous avons raconté sous douette sur monde qui fiable en dedans PNH. Ça veut dire tout reste c'est corrompu. Tout reste c'est quoi? C'est acolyte gangster, c'est acolyte gang. En tout cas, vérité, il n'y a pas l'autre bagaille. Il n'y a pas l'autre bagaille. Nous avons un pays avant tout. Nous avons longtemps de un pays. Je dis, c'est Tima Crété. Tima, est-ce que n'a quitté nèg utilise jusqu'à ce que jeté ou bien n'a prend Tima ça, n'a mettre l'antenne n'a planté pour le bar un nouveau pays. Au moins là ça, le n'a regarder à l'horizon, n'a rêver grand. Moi franchement, des fois me lever, quelques matins me lever, m'a penser avec avenir pays ça. Yo, m'a cacher dit non. Me senti c'est lassant, me senti c'est fatigant, même refrain yo, ou pas jamais ka vin avec une bonne nouvelle. Et si ça fait l'ange une bonne nouvelle, obligé tellement content ou t'arrête d'engrainer net dans toute émission. Et c'est ça que fait ou même quand font travail, prend travail ou faire avec cœur parce qu'on pas connait qui est pas client, on pas connait juste qui bol cale, on pas connait qui monde qui attend d'eau, on pas connait qui monde qui ka choisi utiliser pour ton message positif. Et surtout toujours veiller à ce que moun pa utilise ou nan intérêt. Parce que ou gon mission. Moi-même, je dis là, mon engagement vis-à-vis de nation. Mon engagement vis-à-vis de population. Vis-à-vis de auditoire. De ou même kap gade vidéo. Donc, moi-même, m'oblige à mobiliser toute ressource, moi, toute capacité cognitive, moi, capacité intellectuelle, moi, relation sociale, moi, en façon pour me toujours être dans la ligne, pour m'informer, non seulement m'informer, mais m'aider tout, m'aider dans la mesure du possible pour arrêter sous bonne voie. Donc, j'ai assez dit, m'a assez dit, l'essentiel de ça me dégain pour me dire non. Et maintenant, nous allons passer dans la bonne nouvelle là, mais bien avant, on nous prend un petit mon regard. N'a pas tourné. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal qui permettent d'allonger pénis ou ballonger ou vle pour mon ouvle. Gains band si on comprimé qui permettent de bon gens en endurance sexuelle. Wow! Pour plus d'informations, relève dans 514-886-9776. Ou bien, visitez ce site là, www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen souti à comprimer gen bon, mesdames yo c'est mariage seulement y a mandé. Yo le fond, on va rappeler nous objectif émission mon éditorial, c'est aller chercher information pour nous et river chercher tout ça qui vient pour avec Haïti, ça vient pour avec haïtien, tout ça, tout travail de positif, tout travail qui ca aider pays, qui ca aider société.
m'la pour me porter le ballon, m'la pour me porter invité pour nous qui pour parler de pays en Haïti. Et bien objectif ça je dis en là moi gars venir en Haïti qui a fait un travail important en République dominicaine, il y a une fondation, il a évolué dans la fondation. Et bien, il y a vraiment un souligne là, M. Richard Thipierre, qui va le faire ensemble de formation, mais avant tout, qui va le présenter très brièvement, tout court, parce que nous n'avons pas gagné un peu de temps. Et puis après, je vais prendre quelques questions, moi, pour lui. Bonsoir, et M. Richard, comment est-ce? Bonsoir, Madame Yannick. Bonsoir, chers auditeurs, monitorial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon Fodipekio, capitaine de notre. Bien. Eh bien, Jean-Monsieur Richard annoncé là. Fondation relais Fodipek. C'est une fondation qui a évolué là en République dominicaine, qui a gagné et plusieurs points que vous touchez. Et je vais quitter M. Richard pour le soin pour le présenter point. Dans qui domaine vraiment nous œuvrer dans la fondation, qui groupe nous accompagner, comment démarcher? FODEPEC, Fondation d'orientation au développement personnel et collectif, point associé à la République dominicaine. Nous avons dit nous tous, nous culminons avec une série d'idées depuis Haïti. Moi-même personnellement, c'est mon Bellance, je suis des deux. Moi, j'ai fait études primaires, moi, Bellance, études secondaires, moi, université de Port-au-Prince. J'ai commencé l'ingénierie civile, j'ai quitté le ministère en 2004. Et puis, en 2005, nous commençons avec un projet pour nous joindre une institution représentative qui peut-être a aidé dans les circonstances que nous vivons dans la République dominicaine. Et après un long séjour, nous arrivons à former l'institution ça en 2008. Et depuis 2010, nous entreprenons des activités, par exemple, nous former des centres à Boca Chica, juste pour nous être capables d'apprendre des Haïtiens, parler langues, mécanique, automobile et d'autres. Mais depuis près de 5 ans, nous n'avons pas fonctionné de 2010 à 2015. Ça à 2016, moi, j'ai fait une étude. Et dans le séminaire et l'église épiscopale. Et puis, c'est après 5 ans que je viens quitter le séminaire là, je viens retourner pour l'activité encore. En 2016, j'ai rencontré un groupe montomassique. Et puis, nous commençons l'activité ça encore dans un groupe de Buenos Aires. En 2017, je viens retourner à la séminaire là encore. Et puis, 2019, je me dis, bon, définitivement, m'a dédié à une vie active. C'est alors que nous avons une réorganisation en mai, et puis nous commençons à définir le projet LIO, selon l'objectif, selon la vision. C'est comme ça, nous allons parler avec 4 institutions de valeur démocratique. Comme dit nous, FODEPEC, c'est une organisation de leadership collectif qui gagne dans tête ligne pour mener un mouvement socio-économique en Nigeria. Pendant que nous classifions 194 projets socio-économiques, et bien nous dit faut que nous gagne une base qui pour capable qui va permettre que nous fonctionnions de manière autonome. Base ça c'est institution pour y avec monde. Maintenant qui institution y nous dit faut que nous gagne une institution commerciale internationale, faut que nous ayons une institution financière et une banque, nous avons le banque de la grande famille haïtienne de développement, son projet que lié. Et l'institution commerciale a déjà marché, banque la POCO, parce que nous avons besoin de former des équipes compétentes qui vont travailler sur ce projet. Et puis nous dit, un quatrième lieu, nous avons formé un parti politique. Et monsieur Richard, un moment. Et dans 194 projets, on parle là, combien nous avons réalisé? Bon, nous en marche pour nous réaliser une année 2022 parce que nous avons dit, nous avons dit tête nous, et à partir de février, il faut que nous Haïti. Depuis qui le projet a commencé à monter? Depuis qui le projet ça là? Nous avons pensé avec le projet ça à partir de 2020, nous avons commencé à penser avec le projet ça pour Haïti.
Mais nous commençons à travailler dans le pays dominicain pour des petits projets, pour des capacités préliminaires. Mais le vrai projet, nous, nous gagnons, c'est pour Haïti. Parce que là, 194 projets, 2020-2022, deux ans là, pour nous, pour qu'on réalise. Donc, je pense que Jean Grand Mounio, qu'on dit, et longtemps, et comment on dit, si je ne me trompe pas. Et puis ces gars, ils ne font que mon bail comme ça. Donc, je pense que l'étape beaucoup plus, ça c'est opinion, pas moi, je pense que l'étape beaucoup plus et d'envergure. Si nous avons 3 projets, 4 projets sur une durée, parce que 194 projets, là, c'est en longue durée pour réaliser, parce que le projet, l'opinion du projet, gain et stade d'expérimentation, gain investissement, tout bagage ça pour projet à réaliser, 194 projets c'est pas jouable. Et dans quel niveau nous avec barreur de fonds, est-ce que nous gain monde qui accompagne nous gain monde qui avec nous et qui a backup nous? C'est là le problème. Premièrement, femme dit nous classifier 194 projets. Mais nous pas qu'à planifier 194 projets. Dans le classement, nous divisons par tranche de 4. Et 4 premiers éléments, c'est 4 premiers éléments essentiels qui pour nous base de développement durable. Ça, nous-mêmes, nous jugeons que n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de nous passer à l'action. C'est ça que nous disons. Il y a socio et économique à la fois. Maintenant, 4 ça, c'est sur nous, notre travail. Le problème nous venons rencontrer Kounia là, c'est une question de système. Nous avons un système, quand chaque fois nous parlons d'organisation, eh bien nous toujours référons à un bailleur de fonds ou bien un patron. Maintenant nous dit pour nous arriver à concrétiser rêve nous, un nouveau pays, il faut que chaque Haïtien prenne une responsabilité. C'est une raison qui fait nous-mêmes nous ne pouvons pas parler de bailleur de fonds. Sauf que nous parlons de membres, chaque grain haïtien qui fait partie des organisations, eh bien, doit apporter une valeur. Ça, c'est le premier élément. Chaque valeur, on peut porter, mais son valeur de fonds liés, son investisseur lié, pas à quoi elle parle de bail problème. Et surtout, si on a monté des institutions économiques, toutes institutions économiques, il n'y a pas de non lucratif, non, ce n'est pas œuvre, non. L'on moun bay 5 gout non projet, c'est parce que li wè rentabilité, li wè profit. On comprend si c'est don, pas un problème, mais si n'a pas de institution économique, li toujours à profit. C'est pas gratuit quand même. Moi d'accord avec vous, mais nous nous bay le bay de fond nous les associés. OK. Plus ou moins comprendre parce que et c'est pas gratuit quand même, il y a pas de gratuité. Tu n'as pas les deux institutions. Quand nous parlons des projets sociaux, eh bien nous disons chaque membre actif, organisation, qui est pour recevoir un service réciproquement, maintenant il doit apporter juste pour nous capables de commencer le projet social. Mais quand nous parlons de projet économique, qui sait tout? Le projet économique, nous, c'est nous-mêmes nous considérer comme bailleurs de fonds. Vous comprenez? Parce que nous montons le projet avec. Objectif pour chaque année, yo contribuer, yo participer dans sa nouvelle développement social. Maintenant, moun kap fait partie du projet économique, nous parlons de associés ou bien des actionnaires. Ok. Et jusqu'à date, combien de membres nous évaluons la fondation là? Donc, disons organisation, parce que m'bral fonti retourner sous thème, oui. Je vais vous retourner. À combien de membres évaluer le groupement là, tout le temps? Femme Doudou, nous parlons un mouvement de masse, son mouvement de leadership collectif. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de la quantité des gens, sinon la qualité de les gens. Et ça fait nous dire, et nous parlons un mouvement comme si pour nous faire campagne, pour nous jouer dans le monde, nous, parce que c'est bon mouvement politique. Mais maintenant, nous avons besoin de monde qui a apporté un bagage pour le pays. Et ça fait qu'on va jouer pour des bagues. Et entre Haïti, avec l'autre bord de l'eau et la République dominicaine, nous avons plus de 500 membres. Nous avons plus de 200 membres actifs. Mais écoute, moi, je suis très direct dans ce que je dis. Là, on constate un grave problème parce que
Comment on va dire, nous pas faire campagne de masse, nous pas faire sensibilisation pour plus monde rejoindre FODEPEC, alors que c'est membres qui pour investir dans projet. Bon, qui le projet ça va qui le va réaliser? À quel niveau pour membres ça t'a investi, t'a investi pour vraiment pour nous pour projet avancer. Donc où est là mon problème? Non, il n'y a pas de problème, non, parce que bon, tout bien, nous entamons des projets économiques qui vont soutenir le programme social. Maintenant, membres, ils ne sont pas six pour apporter, mais ce n'est pas seulement apport des membres qui vont faire le projet. Parce qu'il faut que nous ayons appui des institutions économiques que nous avons sous pied. Vous comprenez? Ça veut dire tout le monde. Les nouvelles de masse, maintenant, surtout, la tonne pour bailler en bailler. Au lieu que il n'y a pas de tendance pour l'apporter. Mais nous besoin, ça a eu formaté un mouvement de leadership collectif. Pour qu'on ait une tendance d'être leader, maintenant, pensez, si nous présentons un programme de développement formel pour Haïti, il y a une tendance pour faire partie des FODEPEC. C'est nous qui avons cherché avant. Mais écoute, je dis là, nous sommes un peu contradictoires parce que, c'est pas, moi, je crois très certainement que masse n'a pas obligé tout le temps, En pile, le monde a participé, moi-même, je fais partie de masse. Je dis là, on projet comme ça, on fondation comme ça. Et si toutefois, je connais, mais qui s'arrête dans l'objectif, dans le statut, mais comment les envisager monter projet yo, mais comment investissement yo côté fait ça peut arriver bien vous participer bien envie investir mais le nous recentrer sur nous même comme ça nous pas ouvrir cadre là et li vraiment difficile et après nous pas dit que c'est macho c'est moun yo rete là y a tant alors que si nous pas ba moun yo ouverture pour participer avec nous les résultats y a toujours maigre nous comprenons. Son institution démocratique, au contraire, nous voulons pour le participatif et représentatif. Mais comme nous. Nous n'avons pas un cadre politique, mais, non là. Non. La démocratie ne veut pas dire seulement politique. Nous avons fait des institutions commerciales démocratiques. Nous avons fait des institutions sociales démocratiques. Bâle société en même son base démocratique. Bâle société en son base démocratique. Mais représentativité à travers une institution, mettez campé à travers une société, mettez campé. C'est chaque associé, c'est chaque actionnaire, c'est chaque monde qui a un peur et un peur social qui représente tête, qui s'en suit à jouer un rôle pour tête. Là, et notion ça a pu se rentrer dans le contexte de parti politique, de cadre politique. On va prendre. Et là, on a parlé de démocratie, c'est participative, représentative. Là, nous qui te voulons, nous plus rentrer dans notre cadre et politique non, envisager. Mais là, madame Yannick, parce que la représentativité ne veut pas dire que chaque monde représente maintenant. Yo doit choisir un monde qui pour représenter. Alors nous-mêmes, dans le cas, nous disons pas choisir un monde qui pour leader. Non, c'est une organisation qui est leader. Non. Et ça fait nous dit, vision, nous, c'est être leader dans le domaine du développement personnel et collectif. Ça veut dire, nous avons besoin d'une institution leader. C'est ça fait nous parlons de représentativité. Nous avons besoin d'une référence, d'une institution référentielle qui pour référer nous, qui pour garantir nous. Au lieu pour la marche de monde, nous cherchons une institution que nous former avec des leaderships collectifs jusqu'à capable de représenter chacun de nous. Mais ce n'est pas chaque monde qui doit représenter d'être. Je dis là, par rapport avec tout et sont présentés le FODEPEC, et qui manquement nous gagne, qui manquement nous gagne qui fait nous pour caractériser, qui attend nous gagne par rapport avec mon capitaine de nous là, par rapport avec mon cap gagne nous et par rapport avec ce pays. Ok, très belle question. Premier bagage nous besoin c'est ressources humaines. Voilà que nous mêmes haïtiens dans notre cas, nous avons une maladie chronique qui conceptuelle, qui la détruit quelque temps, qui ne permettre que facilement pour nous organiser. Et bien, c'est une entrave que nous joignons sur le terrain là. Chercher haïtien qui a un sens de responsabilité collective.
ça lui-même n'ont pas cultivé. Généralement, on dit ça au cas de quelques haïtiens qui conscient de circonstances, mais qui pas cultivé la conscience collective. Et sans étape ça, Haïti peut pas traverser problématique lié. Vous comprenez, c'est un élément qui pose devant nous là. Rencontrer des haïtiens qui conscient de situation, qui voient que collectivement nous devons agir juste pour nous retirer Haïti. C'est pas retirer quoi nous, non, retirer Haïti dans sa guerre. Ça veut dire que nous passons un peu de temps, nous avons réuni avec mon diaspora, avec la balle avec un peu haïtien, la balle avec un peu haïtien qui est en République dominicaine, mais difficile pour joindre le monde qui est embrassé ou bien de pas digérer le concept de collectivité. C'est lui qui vient gros problème pour nous. Mais ça fait ça, c'est ça qui est à la base. Est-ce que c'est un manque de, manque de confiance par rapport avec le changement pays, nous connaissons déjà. Mais, et, je dis là, est-ce que c'est idéologie, fondation, FONEPEC qui ne vend ou bien, pour qui ça tout recule ça par rapport avec ça nous vend comme idéologie, par rapport avec ça nous offre, mon yo? Premièrement, nous-mêmes, nous cherchons ces problématiques-là dans l'origine. Nous, ouais, l'homme est conceptuel. Voilà que si le concept n'est pas là, il est difficile pour intégrer par rapport à la préoccupation que nous avons, qu'on y a la force, nous avons besoin d'espace collectif pour nous chita, pour nous parler, pour nous capables d'intégrer le concept de valeur, qui va l'aider à créer une conscience. Moi-même, par contre, yo, nous ne pouvons pas demander aux gens pour créer une conscience collective sans qu'ils n'aient pas de concept là-dedans. Maintenant, le travail que nous faisons là, c'est chercher moyen pour nous intégrer le concept de valeur ça dans le monde. Après, on tente pour nous joindre, ça a eu le résultat, qui c'est la formation de la conscience collective. Oui. Nous ne pouvons pas aller courir sur le monde pour nous dire bon, je dis à vous l'accepter avec nous, sans que le pape gagne déjà. Nous ne pouvons pas avoir ça par là ou non. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais si nous avons l'habitude, nous avons l'éducation, nous ne pouvons pas habituer tout le monde à réaliser des activités collectives. Ça va dans le monde. Vous avez même ancien de famille, nous, vous comprenez quelques familles, nous, vous pouvez apprendre à nous réaliser des choses ensemble. Vous pouvez apprendre à nous faire des objets ensemble. Ça veut dire que, actuellement là, l'organe des communautés haïtiennes à l'extérieur du pays, c'est chaque couple qui est toujours. Il y a presque senti chaque haïtien, c'est 1000. Vous comprenez, moi-même, ça passe souvent en République dominicaine. Où est haïtien? Li haï est le sien. Si nous passons dans la même zone avant, nous ne devons pas sourire par où? Vous comprenez, l'on a compris haïtien actuellement, sous quatre ans fond, on va prendre marie 4 sous fond, depuis le rôle suspect pour nous soit ici. Vous comprenez, c'est tout ça, c'est une série de bagages qui sont dans nous, pour nous chercher moyen pour nous retirer, pour nous placer, pour nous remplacer par éléments de valeur. Okay. Et pour travailler, ça fait, il n'y a pas un travail d'aujourd'hui à demain, et ça fait nous résilier, nous, à la fois de paix, nous avons construit espace pour nous recommander qu'à réunir en quantité haïtienne, juste pour nous chiter à valer. Monsieur Richard, nous après dernière question avant nous aller. C'est comment relation yé, relation FONEPE, comment lié avec la communauté haïtienne qui est en République dominicaine non? Et également tout, c'est qui support nous porter pour haïtiens ça yo, que ce soit et dans cause immigration massive faite par bon côté République dominicaine, que ce soit non pas quelle décision République dominicaine prend et toute dernière date là, c'est question de électrifiant, c'est qui position nous par rapport avec toutes les par rapport avec des risales. Ok, FONEPEC c'est une organisation représentative et participative. Nous-mêmes n'avons comprenons pas là dans l'autre contexte. C'est une raison qui fait nous écrit immigration. Et forme de bien pour moi, c'est une résidence en République dominicaine. C'est soit on gagne 300 000 pesos sur un compte en banque, ou bien on gagne une machine récente, ou bien on gagne un billet, par exemple, qui vaut 1 000 000 pesos. Wow. Ça veut dire que l'élément, ça a un cerveau de garantie pour l'État, bon, il y a une résidence temporaire quelconque. Maintenant, nous-mêmes, nous allons près de l'immigration, nous écrions comme institution publique. Yo ba nous faire pour nous écrire une lettre de garantie par chaque membre organisation active
pour yon bal yon résidence temporaire. Il va besoin d'un lien encore comme garantie. Il va besoin d'un bien dans le pays, il va besoin de machines, de l'argent. Seulement besoin pour faire partie de l'organisation en tant que membre actif. Okay. C'est ça, nous, parce que nous ne pouvons pas courir de l'immigration pour nous dire pas déporter illégal. Vous comprenez, nous dit, si nous avons un membre qui est illégal, maintenant, il faut faire un effort pour payer un impôt. Nous-mêmes, nous servir de garantie, nous battre avocat gratuitement qui pourra aller dans l'immigration pour faire papier pour lui. Alors, si Haïtien n'a pas rentré, nous pas qu'à forcer non plus tout. Sur l'autre plan, encore par exemple, sur la santé, nous n'avons pas qu'à Haïtien qui travaille dans la République dominicaine, nous n'avons pas d'assurance. Si nous mourons, nous avons ces quêtes après le fin de travail, nous avons ces sous ou après ces quêtes, nous avons fait pour nous enterrer. Maintenant, nous-mêmes, nous avons fonds en d'affaires de paix qui est le fonds collectif pour la santé et la mort. Mais qui nous a bénéficié? Ce sont des membres actifs. Vous comprenez? Nous n'avons pas qu'un pays encore qui dehors qui peut rentrer dans le système éducatif de République dominicaine. Maintenant, nous faisons des efforts. Nous écrivons au ministère de l'Éducation en lettre de manière positive. Les nous jouons un haïtien, soit que l'IGI l'a avancé, ou bien le bague en papier, nous aider fait papier, et de tout le monde, nous renforcer le niveau éducatif, nous ressentons pour ça, dans quel côté, nous renforcer le niveau, juste pour mettre à niveau, en façon pour qu'on suive l'industrie éducative. Ça, c'est du service. Comment c'est bail en République dominicaine. En essayant, nous pouvons voir selon le capable de budget, nous, pour nous entrer dans le système d'art. Par exemple, apprendre boxe, karaté, faire toute une série de bagages, parce que nous excluons de l'activité. Ça. Maintenant, nous avons besoin pour nous entrer dans le système d'art, juste pour être capable de vivre tout. Faut des pecs à faire un travail extraordinaire en République dominicaine, là, je me comprends. Là. Et on va cacher nous ça, la communauté haïtienne en République dominicaine qui vraiment est focus sur Chanel là, qui a tant d'émissions. Donc c'est sûr que, et dans le pays de la quoi, vous prenez le contact, il y a besoin d'informations pour contacter vous. Monsieur Richard, et nous prenons le fini là, je vais vous deux minutes pour là, sans vous même pas intervenir, pour dire exactement. À public la nation ça rien pour dire ou adresser avec yo et par la suite pour quitter coordonnées ou toutefois gois en République dominicaine qui veut contacter pour contacter ou bien si gien l'autre intéressé qui veut contacter qui veut intégrer sur les pecs pour yo faire ça entendre c'est pour vous parler avec public là et comme nous te connaissons déjà non moi c'est Richard Pierre moi c'est président faut des pecs après les tout le monde qui a un sens de leadership pour nous former une collectivité, pour nous mener un mouvement socio-économique pour nous sauver le pays. Pour qui raison nous dit ça? C'est parce que, d'après l'analyse que nous faisons de problématiques pays d'Haïti, nous jugeons nécessaire pour nous gagner un capital humain en Haïti qui travaille sur plusieurs domaines qui concernent le développement. Voilà que à chaque fois nous vivons un moment cyclonique de la politique haïtienne, maintenant nous subissons une érosion de nos ressources, ressources humaines, ressources économiques, ressources naturelles, tout bagage ça pour aller à l'extérieur du pays. Maintenant nous-mêmes, dans le fond de paix, nous jugeons nécessaire pour Haïti gagner des institutions qui représentent surtout dans le contexte de la globalisation actuellement là. Faut Haïti représenté par des institutions de valeur, et pas seulement Haïti pour y aller, mais pour y aller à l'étranger tout. Par exemple, nous avons une institution sociale proprement haïtienne, qui à l'extérieur, qui travaille, qui peut fournir, ou bien capable, qui peut remettre le pays à un peu de ça qui partit, qui part des valeurs qui partit. Nous avons des institutions financières, c'est une raison qui fait nous créer ça, nous, les banques FAD. C'est une banque de la grande famille haïtienne de développement en République dominicaine. Nous avons une institution commerciale qui s'est servie sur le commerce, sur les rivières. C'est juste pour nous entreprendre des activités économiques qui pourraient permettre que nous ayons l'argent pour nous soutenir le développement que nous voulons pour Haïti. Maintenant, si Haïtiens ne prennent pas responsabilité pour nous former une institution de valeur,
pour soutenir l'État qui est plus faible dans sa décision que nous tous nous critiquons chaque jour, maintenant nous avons péri et Haïti peut-être, mais pas avec les Haïtiens. N'a subi ça la transformation sociale comme nous fait déjà en République dominicaine. Maintenant nous devons nous subir tout pour ces blancs qui tiennent nous en Haïti qui pour faire développement, mais ce n'est pas ici. Maintenant, pour nous éviter une série de malheurs pendiers sous tête, nous, on nous prend responsabilité nous pour nous créer des institutions pour Haïti. Pas des institutions pour nous, pour Haïti. Alors, si nous cherchons. Mon dernier mot, si nous cherchons le progrès individuel dans le développement collectif, vous pensez que Haïti est capable de devenir le pays que nous rêvons. Alors, les gens qui ont aimé participer dans le mouvement Sahara, nous carrions les moins dans 829-720-65-53. Chaque jour, ma blague, ma rendez-vous avec nous pour parler nous des mouvements, de façon pour nous capables d'intégrer parce que nous avons besoin de présence toute notre capable. Bien, m'apprécie ça et c'est sûr que nous avons pral relais, nous avons envie de participer, nous avons envie et pour intégrer la fondation. Et moi, mon dernière question, parce que nous avons quitté pour parler, mais nous avons posé la dernière question pour nous aller. Qu'est-ce que nous attendons de la fondation qui est en République Dominicaine et alors que le développement, tout ça envisagé, c'est changement pour Haïti? Il faudrait mettre deux plans d'action. Il y a un plan d'action pour la République Dominicaine, pour notre travail avec la communauté dominicaine haïtienne. Nous avons un plan d'action pour Haïti spécifiquement. Maintenant, comme nous, en République Dominicaine, il y a deux grands partis politiques. Qui sont le parti mauve-là avec le parti blanche-là. Tous les deux partis politiques, ça, ils ont formé à l'extérieur du pays. Avec le président Juan Bosch, ils ont formé le Venezuela. Est-ce que là, après, ils ont vu dans le pays, maintenant, ils ont même cap mené là. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune difficulté pour nous commencer un mouvement à l'extérieur. Au contraire, l'eau à l'extérieur, on voit le pays qui vient toujours. Bien. Pas de problème, Monsieur Richard. Et je suis content de parler avec vous. C'est sûr que Mounio a apprécié toute explication de là. Et n'attend évolution, n'attend pour nous et côté fondé peut parler. Et nous là pour nous supporter tout ça qui est positif et fondation li ap entamé. C'était un plaisir pour me recevoir dans l'émission Mon Éditorial. On remercie à vous-même. À la prochaine. Bonsoir, Madame Yannick. Bonsoir à tout le monde. À la prochaine. D'accord, merci. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays ou, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf s'il le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2h, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat. Wow.